IPO a bien évolué depuis sa création. Au départ, le rôle des IPO, c'était plutôt de sensibiliser les équipes. Aujourd'hui, les équipes sont largement sensibilisées au domaine des cartes, de la protection des données personnelles. Maintenant, il s'agit plutôt de former, de faire de pédagogie à l'égard des équipes, notamment leur expliquer ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'est un traitement, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. En ce sens, le DPO joue aussi le rôle d'un régulateur interne dans l'entreprise. Il va aussi faire œuvre de conseil dans le cadre de son projet. Le DPO, c'est celui qui est consulté. Il va également aussi faire des audits, vérifier que tout soit bien conforme, dans ce cadre de rôle de régulateur. Et enfin, il va être aussi l'initiateur de process, de procédure pour respecter la réglementation et des données. Voilà.